Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 avril 2010. C'est la vidéo numéro 81. Et oui, comme le temps passe. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui me gonfle depuis des semaines sur Internet avec un clip qui s'affiche en permanence pour un fameux site de paris en ligne, Marcel Desailly. Desailly, qu'on a apprécié pendant de longues années dans la défense centrale de l'équipe de France de foot, et qui, visiblement, a besoin d'argent, est prêt à tout, jusqu'à travailler pour le sulfureux copain de Sarko, Stéphane Courby. Sans doute, Desailly, qui a une culture de footballeur, ne sait pas qui est Courby, le patron de Betclic. Si je m'attache à parler de ce type, c'est uniquement parce que Betclic, comme d'autres clips, pollue Internet et que l'agression publicitaire est encore plus désagréable sur le web, parce que contrairement aux panneaux dans le métro ou ailleurs, si on détourne la tête, on ne voit plus l'écran. Alors le Courby de Betclic, l'ancien d'Endemol, eh oui, c'est un intello qui cache son jeu. Endemol qu'il a quitté il y a 3 ans avec 240 millions d'euros dans sa musette. Et en tout cas, il est toujours fâché avec Arthur. Mais heureusement, il est toujours bien vu par Sarko et voit régulièrement deux figures de la Sarkozy triomphante, Pierre Charron et Alain Minc. C'est dire le niveau de clairvoyance et la subtilité de la pensée. Mais son addiction à l'argent continue à mesure qu'il tente de pervertir de nouveaux joueurs sur le net. Il est toujours limite avec la légalité, certaines personnes avec lesquelles il a monté ou démonté des affaires. On pense à l'ancien président de la Fédération de tennis, Christian Bim. Je me suis toujours demandé ce qui fait avancer ce genre de personnage comme Courby. C'est une caricature bling-bling. Pas étonnant qu'il faisait partie de la meute qui courait après la gamelle au Fouquet's un certain soir de 2007. Alors pour en revenir à mon Desailly, qui m'invite régulièrement à approcher pour me soutirer du pognon, je l'invite à regarder de plus près qui est son patron. Et en attendant, je vais essayer de mettre en action le système qu'un spécialiste m'a indiqué pour éliminer les fenêtres publicitaires indésirables. En tout cas, pour ceux qui sont de vrais joueurs dans la vie, loin des pièges à cons, je dirais, et encore, bravo.